Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Roblox se fait hacker par Explorer Elisabeth. Oui, vous ne rêvez pas. C'est quoi ce délire? Déjà qu'on avait Jenna la hackeuse. Bon, c'était pas vraiment une hackeuse, elle. C'était juste, en fait, une fille d'un film. Et puis, je sais pas pourquoi, on a dit que c'était une hackeuse. Voilà. Et là, cette fois-ci, nous avons la reine d'Angleterre qui utilise Internet Explorer pour nous hacker. Enfin, je sais pas, Explorer Elisabeth. Bon, ça m'étonnerait que la reine d'Angleterre, elle a que ça à faire. Bon, après, hein, tu sais, si ça se trouve, hein, on sait pas, mais si ça se trouve, la reine d'Angleterre, elle est en train de jouer à Roblox et là, elle essaye de nous hacker. Après, il n'y a pas d'âge, hein, y a pas à faire de la discrimination. Hein. C'est pas parce que t'es une grand-mère que tu n'as pas le droit de jouer à Roblox. Hein. Et d'ailleurs, il faudra trop que je fasse l'expérience un jour, je sais pas, quand je vois ma grand-mère, de la faire tester Roblox, ça serait trop drôle. Non, vraiment, genre voir ses réactions et tout. Bon, bref, du coup, c'est parti pour l'histoire de la nouvelle hackeuse. Non, vous inquiétez pas, vous risquez rien. À peu rien vous faire, hein. D'accord. Oh là là. Allez, c'est parti. L'école est presque terminée. Il suffit de terminer la classe de gym. Oh non, pas la gym. Bon, encore ça va quand j'étais à l'école. Vous pouvez tous venir chez moi après l'école pour traîner. Ouais. Bah après, je veux bien m'amuser. Oh attends, je suis tout petit du coup. Je suis trop chou. Ah, oh, je suis trop mignon. Joue au foot. Ok, vas-y, je vais marquer. Laissez-moi marquer. Oh, ok, non mais ils sont tous après la balle. Attends, j'ai ma batte. Et là, on a une lampe torche. Alors ça signifie rien de bon. Ça veut dire qu'on va être dans le noir. Oh, attention, hein. Ça commence. Je veux marquer. Non. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, personne n'a marqué, hein. C'est fini, du coup, les cours. On va pouvoir aller traîner chez lui. Oh, trop bien. Donc, il s'appelle Chen. Enchanté. C'est la cloche. Enchaîne. Allons chez toi. Je pense que vous voulez dire Chen, hein. Ok, suis-moi. Ah c'est parti. On va chez toi, hein, trop cool. Par contre, toi, t'es un adulte, hein. Comment ça se fait, hein? C'est un peu bizarre, ça. Ok. C'est vrai, il est tous plus grand que nous, hein. Bienvenue chez moi, les amis. Wow, stylé chez toi. Oh, ton salon, il est énorme, mon gars. Non, mais attends, mais c'est quoi, ce salon? On vient de jouer au foot. Mangeons d'abord. Ouais, pour un peu reprendre des forces, parce que là, c'est vrai qu'on a utilisé notre énergie. Que voulez-vous manger? Ça dépend de ce que tu nous proposes. Ah, votez nourriture. Hamburger, hot dog, pizza ou le sandwich. Ah, c'est quoi les trucs violets qui sortent? Tiens, j'ai mis hamburger. J'espère que je vais avoir mon hamburger. Alors, on dirait que les hot dogs gagnent. Oh non! Bon, c'est bon le hot dog aussi, donc y a pas à se plaindre. Et c'est parti. Allons dans la cuisine déguster un bon repas. Mangeons. Ah vas-y, je vais mettre là. Hein. À plat. Mais il est où? Mon hot dog! Je veux mon hot dog! Pourquoi je l'ai pas? C'est une blague! Je mange pas, moi! Ah eux aussi, mange. Ok, on nous donne un ordre en plus. Mange! Oui, je mange. Miam, miam, miam. Par contre, je suis tout petit, hein, vraiment, là. On voit juste ma tête qui dépasse. Oh, c'est trop chou. Pourquoi t'es sur la table? Ok, moi aussi. Je vais danser. J'ai peu le temps. D'accord, je voulais montrer mes talents de danseur devant tout le monde. Oh, attends, là, je peux. Oh, d'un coup. L'action. Bon, vas-y. Tu vois, ma lampe torche, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Explorer Elisabeth, Roblox sera détruit. Dans 20 secondes, le nouveau film est sorti en ce moment, Explorer Elisabeth. Ah, c'est un film? Ah c'est comme Jenna, alors. Jenna, c'était un film. Voilà, Explorer Elisabeth, c'est la saison 2, en fait. C'est la saison 2. Et je m'installe là, les gars. Hop, je me pose là, parce que, voilà, c'est bien. Au cinéma, je fais pareil, j'aime bien être au fond. Après, des fois, j'aime bien être devant, mais après, c'est vrai que ça détruit les yeux. Et après, j'ai des yeux qui pleurent, et ça brûle. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle va sortir de la télé, on va rien comprendre. C'est... Je suis Explorer Elisabeth. Et elle va mettre fin à Roblox le 1er juillet. Oh mon dieu. Et elle va tous nous bannir. À partir d'aujourd'hui, je bannirai les Robloxiens jusqu'à que je sois la dernière survivante. Mais elle est fou, elle. Si tu penses que ce film est une blague, non. Laisse-moi te montrer que c'est la réalité, mon coco. Choisis un de tes amis. Quoi? On doit sacrifier quelqu'un? C'est une blague. Qui veux-tu voter? Qui c'est qu'on va sacrifier? Eh bien, ça sera Brandon. Je suis désolé, Brandon. Et là, ils vont tous voter moi. Non, s'il vous plaît, me votez pas, je vous en supplie. Non, s'il vous plaît. Félicitations, Jacob. Tu as été choisi par le public pour être banni. Oh, non. Il est là. Oh, le pauvre. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Tu vas mourir, mon gars. Désolé. Oh, c'était violent. Oh, c'est vraiment vrai, c'est pas un film. Maintenant, vous êtes tous les prochains.
Ah mais elle est diabolique. C'est vrai. Courez. Non, on va courir là. Ah non. Oh, elle est sortie de la télé. Non. Non mais attends, non, c'est The Ring là. Ah non, elle est là. Elle fait trop peur. Oh non, 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 non. Elle est là. Vite. Toi, t'as des ailes, tu peux voler. Emporte-moi sur ton dos. On va où? Là, ici, sur l'étagère. Ah, elle est là en plus. Oh, oh my god, faut pas que je tombe. Ah, oh my god. Elle fait trop peur. Mais elle est vraiment diabolique. Elle est sortie de la télé. Oh là là. Comment ils ont fait pour aller là? Tu sais quoi? Je vais faire pareil que vous. Je pense que vous avez fait... Ah! Non, 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 non. Je vais pas mourir, les gars. C'est bon, je suis avec vous. Oh, non, mais regardez son visage. Il est si terrifiant. Et toi, ça va? T'es en train de rigoler en mode... Ah, c'est trop drôle. Vous allez tous crever. Sympa, ma pote. Sympa. Qui c'est qui va mourir? Ah! Oh, je pense pas qu'il peut grimper là. Hein. Vas-y, je suis un fou. Je suis un fou. Je vais m'installer. On peut pas s'installer. Bon, bah, vas-y. Chaîne. Eh, hey, mais il rigole. Eh, hey, t'es un complice, toi, mon gars. Ils sont... Il est là, il est posé, puis il regarde la scène en mode ouais, bah franchement, je vous ai invité, c'était juste pour que. Enfin, vous mourrez, hein. Attends, c'est quoi cette balle de baseball? Elle est trop bizarre. Ah non, ok, j'ai cru que c'était des yeux. En fait, c'est pas une balle, c'est la planète. Oh là là. Ah, c'est bon. Ça s'est calmé. Oh, elle est diabolique. C'est juste un petit avant-goût de ce qui va vous arriver. Mais elle est sadique en fait. Elle est folle dans sa tête, celle-là. Elle est tarée. Si tu veux me trouver, cherche un indice dans la forêt. À bientôt! Allez dans la forêt. Oh non, vous savez ce que les forêts, c'est... Non, je peux pas! J'ai des mauvais souvenirs avec Slenderman. Non, Elisabeth est réelle! Ouais, elle est réelle. Nous devons la trouver et l'empêcher de détruire Roblox. Ah là, je suis d'accord avec vous. Je veux vous protéger, les abonnés. Et si je peux même pas vous protéger, j'aurai honte. Oh, c'est moi qui parle! Elle a dit qu'il y aurait un indice dans la forêt. Allons-y! En plus, c'est moi qui dis ça. Genre, j'ai trop la confiance en mode allez hop, on y va. Il va rien nous arriver, les gars. On va dans une forêt en pleine nuit. Ah oui, bah oui, c'est obligé que ce soit la pleine nuit. Ok, Elisabeth. Non, 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 mais. A dit qu'on devait trouver un indice dans la forêt. Marchons jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Oui, bah, ça le fout. Hein, mais ça va pas. Restez près de moi. Il fait très sombre et c'est effrayant. Ok, il y a tout le monde qui est passé par là-bas. Tout le monde en a rien à faire de Chaîne. T'inquiète, Chaîne. Je vais rester avec toi, même si t'es un peu bizarre, mon gars, parce que tu nous as regardé crever. Mais t'inquiète, je reste près de toi, parce que, bah voilà, je reste près de toi. Comme ça, bah toi, de toute façon, t'es invincible, hein, parce que, bah, lui, il peut pas mourir, il est invincible, et t'es posé là, donc on va rester vers lui. Non, mais les autres, ils m'ont tué, ils ont couru en mode, non, on n'attend pas Chaîne, on l'attend pas. Oh, il y a une maison, c'est une blague. C'est une cabane. Oh, non, les cabanes, l'indice doit être là-dedans. Comment tu peux penser que ça soit là-dedans? C'est vrai? Genre, tu vois la première cabane, ça y est, l'indice, elle est dedans? Non, mais attends, tu peux pas savoir ça. T'es bizarre, Chaîne. Il est chelou, lui. C'est lui, hein, ça se trouve. Hein. Enfin, non, parce que vu qu'il était là, mais il est complice. Il est complice. Il y a un truc bizarre, là. Où ça se trouve, il est juste trop gentil. Je suis en train de l'accuser, le pauvre. Commence à chercher un indice sur Explorer, Elisabeth. Bah, il y a pas un ordinateur. Oh! Vous avez trouvé le premier indice, félicitations. Vous, les imbéciles, allez maintenant être téléportés dans mon monde! Ah, ils sont crus dans Sword Art Online! Ok, on est dans Sword Art Online, très bien. Ou dans Overlord. Et bah, c'est parti, hein, fais-nous TP dans un autre monde. Oh! Je sais pas comment on est TP, mais c'est de la magie. Voilà. Oh! Sommes-nous piégés dans un trou? Ah, mais les. Non, on n'est pas dans un trou, mais c'est des murs de 50 mètres de haut. Alors, franchement. Mais comment on va faire pour partir de là? Escalade? Ouais, on essaye désespérément. Cherchez un levier ou un bouton n'importe où. On l'a trouvé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Ok, nous avons des escaliers maintenant. Montons. Ok, oui. C'est parti. On a 30 secondes. Ah ouais, t'as raison de crier, ma cocotte. Parce que là, on est tous en danger. Grimpe dans le trou. Grimpe tout en haut, parce que grimpe dans le trou. Montons en haut. Ah, c'est bon. Faut pas que je tombe. Nickel, je suis là, c'est parfait. Je suis sauvée. Vite, les amis, vite, quand tu peux. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en bas, ils vont mourir s'ils reviennent pas, parce qu'il y a un temps, c'est sûr. Ils vont être bannis si on n'est pas là à temps, parce que l'autre, elle a des pouvoirs magiques. Et je te l'ai dit, elle est dans Death Note, elle écrit ton nom et t'es ban. Hein. Elle, on est dans Death Note, le bail. Elle a son petit Kaya à côté d'elle, elle écrit ton nom, c'est fini. Hein. Oh, attends. Là, c'est la petite transition. Phew! On a réussi à s'échapper. Allons voir ce qu'il y a dehors. Suis-moi,
hyper serein. En fait, lui, il est hyper serein. Et tu dis que, ouh, on a réussi à s'échapper, mais il y a eu des morts entre-temps. Et t'en fais quoi, des morts? Super! Comment ça, super? Non, mais il est fou, lui! Comment ça? Elle est bizarre! Non, mais c'est quoi? On est dans un cimetière! Un cimetière? Eh bien, il doit y avoir un indice. Trouvez le deuxième indice. Oh, mais ils ont déjà trouvé. Vous êtes sur le point de vous battre! Ok, ma batte. Vous avez trouvé le deuxième indice? Félicitations! Préparez-vous pour la bataille. Ok, je vais me préparer pour ta bataille. C'est parti. Hé, qu'est-ce que tu fais en haut du pic, toi? Vas-y, vas-y. Ah, attends, j'arrive pas à aller en haut. Qui combattons-nous? Ouais, j'avoue, on va se combattre les uns des autres ou c'est comment, là? Je ne sais pas. Mais soyons prêts. Ok. Oh, il y a un truc qui est sorti, là, où je rêve. Ah non, c'est lui, ma fleur. Oh! C'est des exploreurs, Elisabeth, ils se sont dupliqués. Je pense que c'est la personne qu'elle a banni. Et la personne qu'elle a banni tout à l'heure, là, je crois que c'était Jacob, il s'est transformé en exploreur Elisabeth. Et dès qu'elle nous banne, on devient eux. Oh non, je veux pas perdre la vie. Prends ça! Prends ça! Voilà! Prends ça, mon coup de batte! Yes! Joli travail, la team! Ouais, non, franchement, nous avons vaincu! Yes, on les a vaincus. Oh, on est trop forts! Eh, franchement, ça c'est bien, ça. On n'est pas morts, là. Nous nous rapprochons. Allons trouver l'exploratrice Elisabeth. Ah ouais, en fait, ça, c'était juste ses partenaires. Voilà. Enfin, c'est... comment on appelle ça, tu sais, dans la royauté? On va dire ses gardes, tu vois. Il y a un troisième indice à trouver? Ah oui. Vous avez deux choix devant vous. Choisissez judicieusement. Vous avez trouvé le troisième indice. Félicitations. Deux choix? Ah oui, deux trous. Non, c'est une blague, j'aime pas ça. Ah non, non, non. Elisabeth seulement. Elle est dans un? Ah non, nous devons choisir un. Je m'attends à un truc là. Choisis un trou, il saute. Ah ouais, donc en fait, faut juste suivre son instinct. Vas-y, ils vont tous là-dedans. Ils vont tous là-dedans. Oh! Bon bah voilà. Hein. Il fallait les écouter, hein. Moi je vous suis, hein. Heureusement que vous êtes là. Ça se trouve, bah j'aurais été mort. Il y a quoi dans l'autre? Ah bah y a rien, regarde, parce que... Ah ouais, t'es piégé, t'es mort. Oh non. Attends, on est dans une pièce chelou là, la grotte. Le boss? Non, un boss? Comment ça un boss? Tu me fais peur. Oh! La lave? Une escape? On va devoir aller de bout de bout? Et pas mourir? Non, pas ça, s'il vous plaît, les amis! Pas ça, j'ai trop peur! Oh. Nous n'avons pas d'autre choix que de traverser la lave. Je crois bien, oui. Et on a 40 secondes et en plus, ça bouge. Oh non. Oh! Oh là là! Eux, mais ils sont trop confiants. Oh non, 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 non! Vite! J'ai trop peur, je vais pas mourir brûlé! Parce que si je tombe, je suis brûlé par la lave et j'ai pas envie de mourir. Ah non, non, non. Surtout que si je peux pas vous sauver... Non! Mais non, mais je suis tombé! Ah non, je suis tombé! Il faut que je vous sauve coûte que coûte. Payons des Robux! Voilà, je dois vous sauver. Parce que sinon, bah, je m'en voudrais toute ma vie que Roblox soit détruit par ma faute. Ils ont tous réussi? Non, il y a eu quelques petits morts. Ils n'ont pas eu cette chance comme moi de pouvoir renaître de mes cendres. Mais moi, j'ai pu renaître de mes cendres. Et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Je vais vous défendre, enfin défendre Roblox au péril de ma vie. C'est fini. Allons-y. Ouais, allons-y, hein, mon gars. Elisabeth doit être à l'intérieur de cette cave. Sois prêt pour une grande bataille. Ok, là, c'est un boss. J'en suis sûr. Préparez-vous au lourd. Oh! Mais attends, mais elle fait 10 mètres. Elle fait 10 mètres là! Elisabeth! Ah, attends, c'est quoi cette taille? Attaque des titans! Non, mais je vous jure! Non, mais je crois que plus elle tue des victimes, plus elle est banne, plus elle grandit en taille. Hein. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir sauver Roblox? Bien sûr, explorer Elisabeth! Tu vas redescendre sur terre, ma cocotte! Comment je lui parle? Eh bien. Tu dois me vaincre si tu veux être libre. Hein? Ok. Bah le boss, Elisabeth. C'est parti. On y va. Ah! C'est quoi ça? Oh! Des météorites! Vite! En plus, on est plus que 3, hein. Oh, vite! Faut aller là. Rien n'est bon. Ah oh, ouais, c'était sûr. C'est de la lave jaune. C'est du pipi. C'est du pipi, Elisabeth. Elle a tellement eu peur de nous qu'elle s'est fait pipi dessus. Ah, allez, prends ça. Hop! Des petits coups dans le pied, voilà. Bon, ça chatouille un petit peu pour toi, mais... Ah! Oh, elle fait trop peur. Ok, elle nous relance encore des coups de météorite. Elle est dingue, celle-là. Vite, vite, vite. Non, 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 elle va faire pipi encore. Non, c'est bon. Ok.
Elle a bu trop de jus de pomme. Non, mais elle me tue, elle. Allez, c'est parti. Non, non, ah non. Je sais pas, il y a encore ça. Ah, si, c'est bon. On y va. Tous ensemble, tous avec moi. Non, personne, ok. Je me sens un peu seule, là, à taper. Ah si, elle, a bien. Attends, t'es carrément dans sa jambe. Oulou. Oh, ça fait trop peur, je vous jure, quand ça TP comme ça, là. Je me sens pas bien. Vite. Et je pense que, franchement, Elisabeth... T'es assez gentille encore, ça va, parce que il me semble que Jenna était un peu plus violente, hein, parce que j'avais fait la story de Jenna dans un live, et elle était méchante, Jenna, avec son couteau. Là, ça va, Explorer Elisabeth, elle a un petit côté sympa, en vrai. Enfin, sympa, elle va détruire Roblox, et moi je dis ça. Elle est pas du tout sympa, hein. Vite! Ok, oh non, nous avons perdu un soldat dans la bataille. Il nous reste plus que nous deux. Vas-y, on va le faire. Vas-y, girl, on le fait, t'es prêt? Let's go! Viens avec moi. Oh mon dieu, j'ai pas envie d'être tout seul. Bientôt la moitié de sa vie. On tape, on tape, on tape, on va arriver à la moitié. Allez, c'est bon. Oh non, la moitié! GG, non, je vais mourir! Non! Oh non, c'est horrible, ça m'a TP dans un endroit. Oh non! Je suis tout seul, les amis! Y'a que moi qui peux sauver Roblox! J'ai tant de pression, c'est. Non, non, non. J'aime pas avoir toute cette pression, c'est horrible d'être seul. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a tout le monde qui compte sur moi. Et si j'y arrive pas, c'est la fin de Roblox. Et on peut dire adieu. Vas-y. Vite. Non. Non. Non, compte sur moi. Il me reste plus rien. Regardez ma vie. Ça va être chaud. Est-ce que vous croyez vraiment que je peux le faire? Oui, j'y crois, parce qu'elle se pisse dessus depuis tout à l'heure. Elle a peur de moi, Elisabeth. Et je lui ai dit, mot pour mot, comme vous avez vu tout à l'heure, je lui ai dit, tu vas être libre, il va falloir me vaincre. Elle m'a pas encore vaincu. Il faut pas crier victoire trop vite. Et je vais renaître de mes cendres, deux fois s'il le faut. Là, je vais renaître. Ah non, c'est bon, j'ai pu bouger. Oh, la musique, elle se calme. Il n'y a plus de musique épique, là. Comment ça? Ah si, elle revient, la musique épique. Tu vas voir, Elisabeth. Je suis peut-être seule, mais tous mes abonnés sont derrière moi. Et grâce à eux, j'ai la puissance pour te battre. Meurs, 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 meurs. Explorer, Elisabeth, on t'aime pas. On t'aime pas, personne t'aime, tu bannes des gens. Oh, elle est devenue toute petite. Attends, mais il s'est passé quoi, là? C'est devenu un mini-moise d'un coup. Ah! Vous avez gagné! Enfin, du coup, j'ai gagné. Parce que tout le monde comptait sur moi. Je vais arrêter avec le piratage. Laissez-moi partir. Elle se pisse dessus, les gars, elle a peur. Te laisser partir? Jamais! Tu ne partiras pas, ma cocotte. Jamais de la vie. Laissez-moi vous offrir une sorte d'offre. Oh oui, c'est un pacte avec le diable. Je t'écoute. Qu'as-tu à me proposer? Qu'est-ce qu'elle a à me proposer, celle-là? Dis-moi. Ah, j'ai peur de ce qu'elle va nous annoncer, là. Eh bien, je te propose de déban tout le monde sur Roblox et nous reviendrons à la normale. Oh! Que veux-tu faire? Laisser Elisabeth gratuit. Garde Elisabeth ici pour toujours. Je pense que on mérite tous une seconde chance. J'ai même pas voté, mais je pense que ça a mis le premier choix. Ok. Débarrasse tout le monde maintenant. Ok, elle va déban tout le monde, ça veut dire. C'est vrai? Elle a débanni tout le monde? Et on est redevenu à la Roblox normale? Non? Ah non, elle m'a eu? Oh, où sommes-nous maintenant? Elisabeth? Je te laissais une seconde chance parce que pour moi l'erreur est humaine et tout le monde mérite d'avoir sa deuxième chance. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ferez-vous confiance à un pirate informatique? Oh! Non! Mais... Et nous avons eu une offre! Tu t'en rappelles? Oh non! Ne fais pas ça, Elisabeth! Tu vas me faire pleurer, s'il te plaît! Non! Je mérite pas de mourir! Je ne joue pas juste! Au revoir pour toujours! Non, ne tourne pas le levier, s'il te plaît! Non! 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 J'ai pas pu sauver Roblox! Il en est hors de question! Je vais sauver Roblox, coûte que coûte! Les amis! Je vous l'ai caché depuis tout ce temps, mais j'ai fait un voyage dans le temps pour sauver Roblox. Oui, j'ai des super pouvoirs, et ce n'est pas tout. Je me suis équipé d'un sabre laser high-tech coloré. Ça ne rigole plus. Et oui, je suis prêt à tout pour vous sauver, les amis. Parce que sinon, si Roblox n'est plus là, comment on va faire? Alors elle, vous pouvez lui dire adieu. On la reverra plus jamais. Elle va rester coincée dans son trou de cette cave pour toujours. Pour l'éternité, elle restera coincée ici. Il en est hors de question de lui refaire confiance une fois de plus. Et ça, c'est pratique de faire du voyage dans le temps. Je vais pouvoir tous vous sauver! Ah, je suis trop content, les amis, vous pouvez pas savoir à quel point. Bon, faut que je me concentre. Parce que là,
tout. Les espoirs reposent sur moi. Prends ça, Elisabeth! Bien fait pour toi! Tu sais pas que je suis revenue exprès ici, pour te tuer. Je me ferai pas avoir deux fois cette fois-ci. Il en est hors de question, ah bah là. Surtout pas, ma grande. Vite. Je stresse. C'est pas bon pour moi. Vous êtes prêts? Le coup final. Coup final! Elle va connaître la douleur. Et je vous l'ai dit, pour l'éternité. Voilà, pour l'éternité! Avec mon sabre laser, tu ne faisais pas le poids de toute façon. C'est ça, vas-y. Parle, je sais déjà ce que tu vas dire, mais toi tu ne le sais pas. Je suis encore plus diabolique qu'Elisabeth. Je vais arrêter le piratage. Ah bah, bien sûr que tu vas arrêter le piratage cette fois-ci. Et une bonne fois pour toutes. Plus jamais tu pirateras qui que ce soit. Tu m'as entendu? Plus jamais, plus jamais tu me pirateras mes abonnés. Laisse Roblox en paix. On a déjà connu Jenna. Là, toi, Roblox, on est fort. On est fort tous ensemble. L'union fait la force. Et personne ne pourra nous vaincre. Donc c'est ça. Essaye de m'avoir avec tes beaux discours. Il n'y aura pas de deuxième fois. Garde Elisabeth pour toujours. Allez, prends-toi ça, bien fait pour toi. Ah, je suis trop content, c'est bien fait pour elle. Eh bien, n'ai bien essayé, mais pas de deal. Tu es coincé ici pour toujours. Oh, non, s'il te plaît, non. Oh, elle essaye de me sortir les larmes. Au revoir, sale aqueuse. Oh, ah, ça y est. Oh mon dieu, j'ai eu la bonne fin. Je vous ai tous sauvés. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis donc le sauveur de l'humanité de Roblox. Et vous pouvez me remercier dans les commentaires. Allez, sur ce, salut les gars.